Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne T-Help. Donc aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous montrer comment connecter votre enceinte Bluetooth à votre smart télé. Donc là, c'est une Samsung. Les sous-marques, ça va être un petit peu différent. Je ferai une autre vidéo dessus. Donc pour commencer, beaucoup de télés n'ont pas directement le Bluetooth activé. Donc là, je vais aller sur Settings, Paramètres. Je vais aller dans Son. Du coup, ici, je vais pas avoir la possibilité de connecter une enceinte Bluetooth puisque je vais pas l'avoir directement. Pour pouvoir l'avoir, il va falloir rentrer dans un mode caché sur votre télévision. Donc, pour ce faire, c'est assez simple. On va couper la télévision. Moi, sur ce modèle-là, avant d'allumer la télévision, je vais devoir appuyer sur Info, Settings, Mute, et après j'allume. Au bout d'à peu près 10 secondes, on va avoir ce mode-là. Donc c'est un mode caché, on peut appeler ça le mode recovery. C'est à peu près le même mode qu'on va avoir sur un smartphone. Donc là, on va cliquer sur Options. Hop. Donc là, je vais aller dans MRT Options. Et le BT Support ici qui est en off. C'est Bluetooth support, tout simplement. On va le mettre en on. Le mode est activé. Donc là, on retourne en arrière. Return pour retourner sur le mode normal. Là, je m'en vais. On retourne encore sur return. Hop. J'éteins, je rallume la télé. Vous rallumez la télé normalement. Vous allez aller dans paramètres. On retourne dans son. OK. Sortie son. OK. Et là maintenant, vous allez avoir liste des haut-parleurs. Donc ce que vous allez faire, vous allumez votre enceinte Bluetooth. Donc là, je l'allume. Donc là, ça va commencer à rechercher. Directement, on a entendu la télé faire « non ». On clique sur « Liste des haut-parleurs ». Et au bout de quelques secondes, vous entendez comme n'importe quelle enceinte Bluetooth le « tononon ». Et vous êtes connecté. Puis voilà. Le plus compliqué, en gros, sur ce genre de télé-là, c'est d'accéder au menu Recovery pour pouvoir activer le mode Bluetooth. Une fois, c'est comme n'importe quel PC, n'importe quel appareil que vous connectez en Bluetooth. Il y a juste à faire la recherche et ça se connecte tout seul, quoi. À plus tard!